M'excuse, je reprends à nouveau la parole sur un sujet qui a fait une grande actualité en 2015, le Blackrot, et en particulier avec de graves dégâts en agriculture biologique, viticulture biologique, avec des pertes de récoltes parfois très importantes. Ça, c'est le cadre du contexte. Donc 2016 était une année un peu test, on se demandait un peu où on allait, où ça allait aller. Et on s'était posé, je ne sais pas si vous vous souvenez, Bernard Mollo était intervenu l'an dernier à cette même tribune pour faire le point sur cette maladie qu'on ne maîtrisait pas tellement. Et on avait quelques questions quand même de fond, entre autres pour la partie agriculture biologique, en termes de prophylaxie. Est-ce que les mesures de prophylaxie pour réduire l'inoculum, est-ce qu'elles sont efficaces, qu'elles ont un intérêt dans le cadre d'une forte pression l'année précédente? Et puis la question du cuivre et du soufre, qui sont les seules solutions identifiées à ce jour qui peuvent apporter une forme de réponse en viticulture biologique. On se posait quand même des questions sur leur efficacité, puisque le nombre d'essais qui avaient pu être mis en place et les évaluations qui avaient pu être faites jusqu'à ce jour étaient très peu importantes. Donc c'est à ces deux questions que je vais essayer de répondre dans cette présentation. Sur le premier point, sur les mesures prophylactiques, donc je vais m'appuyer sur une étude conduite par nos collègues de l'IFV Bordeaux, Marc Rénal en particulier, qui a essayé d'évaluer sur une parcelle l'impact des vrilles, puisqu'on avait identifié, Bernard Mollo l'avait cité l'an dernier, que l'inoculum pouvait se retrouver sur les vrilles et l'impact des rafles. Vous avez ici sur ce graphique le nombre de feuilles atteintes par le blackrot et par cep à trois dates différentes au début du cycle de développement de la maladie, 11 mai, 19 mai et 3 juin. La première colonne que je vous présente ici, c'est la situation témoin où on a laissé les rafles et les vrilles à la parcelle. Donc on voit une très forte progression du nombre de feuilles atteintes pour atteindre un niveau relativement important de 18 feuilles au 3 juin. La seconde graphique que je vous présente, c'est une situation où on a ôté les rafles et les vrilles. Alors les vrilles, comment on les a ôtées? En fait, sur le plan expérimental, ça a été passé au chalumeau au niveau des fils porteurs pour détruire toute la partie sèche qui restait au niveau des fils porteurs. Donc on voit ici que dans cette situation, lorsque l'on retire les rafles et les vrilles, on a grosso modo de l'ordre de 50% d'efficacité de cette mesure prophylactique sur l'expression de la maladie. Troisième point, c'est lorsque l'on enlève uniquement les vrilles, on laisse les rafles présentes. Dans ce cas de figure, on voit que l'impact est beaucoup moins important sur le développement de la maladie. Il peut être mesuré sur la première notation du 11 mai, par contre par la suite, l'écart se réduit fortement. Et dernière situation où on a laissé les vrilles et enlevé les rafles, on voit qu'on se rapproche d'une situation quand on enlevait les rafles et les vrilles. Donc grosso modo, en termes de conclusion sur cet essai, il apparaît que la suppression des rafles montre un effet net sur l'état sanitaire et le développement de la maladie. La suppression des vrilles, quant à elle, semble ne pas avoir un impact très important. Et ça met quand même en évidence que la suppression des rafles constitue une mesure prophylactique qui va permettre de diminuer, en particulier au début du cycle végétatif, les risques de contamination et l'importance de la présence de la maladie. D'autre part, comme on met en évidence l'effet de cette mesure prophylactique, on peut bien confirmer qu'une grande partie de l'inoculum est endogène à la parcelle et ne vient pas forcément des parcelles voisines. Donc importance de l'année N-1, voire des années antérieures sur les parcelles sensibles, donc présence d'inoculum, et sur ces parcelles-là, il semble pertinent d'essayer de mettre en œuvre les mesures prophylactiques permettant de retirer les rafles de la parcelle. La deuxième question concernant le cuivre et le soufre. Alors malheureusement, on avait pas mal d'études à l'IFEV que l'on avait mis en œuvre. Malheureusement, d'une manière générale, l'année 2016 a été une année à faible pression blackrot, et en particulier dans nos essais IFEV, malgré une brumisation et une contamination, on n'a pas pu avoir des résultats suffisamment significatifs pour les présenter. Donc je me suis permis, pour essayer d'apporter quelques réponses aujourd'hui, de faire appel à des partenaires qui ont bien voulu me fournir leurs résultats. C'est ceci que je vais vous présenter dans la suite des diapositives. Donc premier partenaire avec qui on a pu travailler, c'est UPL, qui a mis en place sur sa base d'essais à Bordeaux un essai contaminé et brumisé avec une forte infestation. Vous avez sur les deux premières parties la fréquence et l'intensité sur feuille, et ensuite présentée sur grappe. Donc on est quand même sur, en fréquence, 70% sur feuille et 90% sur grappe, donc une forte présence de maladies sur cet essai. L'efficacité du microsiol, donc le soufre à pleine dose,
peut être mis en évidence sur cet essai, en particulier sur grappe en termes de fréquence et d'intensité. La référence que l'on a prise, c'est le Ditane Néotech, donc Mancozeb, en termes de référence conventionnelle non utilisable en agriculture biologique. On voit que, comparé à cette référence-là, le soufre permet quand même, même s'il n'arrive pas au niveau du Mancozeb, d'apporter une efficacité seule utilisée sur l'eau. Deuxième essai que je vous présente, c'est un essai donc, mis en place par la Chambre d'agriculture du Vaucluse, qui là a travaillé sur l'association cuivre et soufre, sachant que les apports de cuivre et de soufre ont été modulés au cours du cycle végétatif pour s'adapter grosso modo à une pratique du viticulteur qui module le plus souvent ses apports. Dans cette situation-là, comparé au conventionnel qui là aussi était du Mancozeb de mémoire, on est sur une efficacité identique de l'association cuivre et soufre par rapport au conventionnel. Donc un résultat avec une attaque importante sur grappe dans cet essai, qui est plutôt satisfaisant et encourageant par rapport à l'utilisation du cuivre et du soufre. Encore un essai UPL mené en partenariat avec la Chambre d'agriculture de Gironde et la Chambre d'agriculture du Rhône. On a envers la Chambre d'agriculture, l'essai de la Chambre d'agriculture de Gironde avec une faible présence en termes d'intensité sur grappe de la maladie. Dans cet essai-là, donc représenté en vert, on voit que les solutions, quelles qu'elles soient, la bouillie bordelaise seule, le microsiol seul ou l'association, apportent une efficacité par rapport aux témoins, mais on n'est pas en mesure d'identifier une différence entre les produits solo ou les produits associés. L'autre essai, qui est celui conduit en partenariat par UPL avec la Chambre d'agriculture du Rhône, on voit une intensité d'attaque sur grappe un peu plus importante, même si elle n'est pas énorme, on est autour de 15%. Dans cette situation, même constat, efficacité des solutions mises en œuvre, représentées par les barres violettes. Et dans cette étude-là, on voit un effet améliorant l'efficacité lorsque l'on associe la bouillie bordelaise et le microsiol. Enfin, dernier essai que je vous présente, qui est un essai réalisé par Action Pain, là aussi en partenariat avec la Chambre d'agriculture de Gironde. Donc on est sur le même type de référence en termes d'intensité, donc une faible fréquence présence de maladies. Ce que cet essai permet de mettre en œuvre, en évidence, c'est que de la même manière que pour le microsiol, l'héliosoufre de la société Action Pain apporte une efficacité. Dans cette étude-là, il semblerait qu'on ait un petit effet de l'association, mais je reste très prudent sur cet effet mesuré ici de l'association héliocuivre plus héliosoufre du fait de la faible intensité dans le témoin. Donc en termes de conclusion, sur l'ensemble des essais, on est sur des essais avec des niveaux plus ou moins faibles à moyen en termes d'intensité sur grappe. On montre quand même qu'on a une efficacité, un effet freinant du soufre à pleine dose ou à dose modulée telle que peut le pratiquer le viticulteur, que l'efficacité du cuivre en association avec du soufre n'est pas régulièrement supérieure au soufre solo et que d'une certaine manière, dans la plupart de ces essais, il semble quand même que l'efficacité reste inférieure aux solutions conventionnelles homologuées. Enfin, dernier point, on a pu constater dans ces essais qu'on avait une équivalence entre deux produits identifiés microsiol et héliosoufre. Conclusion générale, donc je tiens déjà à remercier les partenaires qui ont bien voulu me fournir ces informations. Donc Sylvère Devez de la Chambre du Vaucluse, Xavier Lassus du PL, Manuel Ramos d'Action Pain et également Ludivine Davidou et Caroline Leroux, respectivement de la Chambre d'agriculture de Gironde et de la Chambre d'agriculture du Rhône. Conclusion générale, l'inoculum est principalement lié à la présence de la maladie sur la parcelle l'année précédente. Il s'avère que les mesures prophylactiques identifiées, on a pu confirmer sur un essai que l'élimination des rafles principalement permet de réduire la pression parasitaire en début de cycle. Ça n'a pas tout faire, mais c'est un plus. Donc ce sont des mesures qui sont pertinentes à mettre en œuvre. Qu'on voit que le soufre, même utilisé solo, peut apporter une efficacité partielle, mais attention, en cas de très forte attaque, on reste sur des solutions qui sont partielles, j'ai envie de dire, donc utilisables en agriculture biologique, même si aujourd'hui le problème que l'on a de ces solutions, c'est qu'elles ne sont pas homologuées pour cette cible-là. Et en situation de pression moyenne, il semblerait que l'association cuivre plus soufre apporte une efficacité un peu améliorée par rapport au soufre solo.
Je rappelle, et je viens de le dire, mais je préfère le rappeler, on est quand même dans un cadre réglementaire un peu difficile pour l'utilisation de ces solutions, puisque que ce soit le cuivre ou le soufre, à ce jour, ce ne sont pas des solutions homologuées sur l'usage Blackrod. Je vous remercie.